C'était la bourgeoisie, bourgeois, de petite noblesse, qui ont réussi à passer à travers la révolution et qui ont réussi à racheter ou à conserver leurs biens, mais surtout la bourgeoisie. Et 500 km de Champagne, ouest de la Loire, le rive gauche, et nos voisins Puy sont à l'est de la Loire. Donc Puy, ça doit faire 12 ou 14 hectares, je crois. Des maladies qu'on ne connaissait pas et qui ont été importées principalement des Amériques. Exploiter quelle surface? Oui, ça j'en ai pas parlé, c'est vrai. on a 10 hectares et demi de vignes. Voilà. Voilà. Ce qu'il faudrait sur le même terroir une vigne greffée, une vigne non greffée. Donnez-moi une explication, madame. Non. D'années entre l'acidité, l'alcool, c'est-à-dire qu'on avait un bon taux d'alcool et un bon taux d'acidité. On le sent, c'est un vin qui est plus nerveux, hein, qui n'est encore pas fait, si vous voulez. Qui est encore pas fait, qui va se garder. Seulement, c'est vrai qu'on serait tenté de faire, enfin, on peut être tenté de faire comme ça, mais tout se fait, hein, on peut faire tout, on peut faire même moitié rosé de saignée, moitié rosé de presse, on peut, tout est, c'est une méthode, c'est tout. Seulement, moi, je trouve le gros inconvénient de ça, c'est que ça ôte énormément de finesse au rosé. On est entre un rosé et un vin rouge, et ça ôte ce côté, là vous sentez, il y a un côté dentelle, un côté fin, un côté aérien, un côté très féminin.
C'est-à-dire un vin frais, vif, j'ai bien dit vif, pas acide, vif, sec, qui fonctionne bien avec les huîtres, les moules, tout ce qui est coquillages, fruits de mer, produits iodés en général, ça se marie très très bien avec cette cuvée harmonie. Les prochains que vous allez déguster sont un peu plus ronds pour le suivant, et l'autre le sera davantage.